Lorsque l'entracte de la bobine ou le gabarit des élèves le permettent, les élèves apprécient la réalisation de cette figure spectaculaire, mais sans aucune difficulté. Le déplacement de la bobine étant particulièrement rectiligne et même difficile à modifier, le passage au-dessus d'un élève allongé au sol est aisé. Ce dernier doit toutefois bien veiller à se positionner le plus à plat possible, souvent bras étendus de chaque côté de la tête et visage tourné pour parfaitement estimer et prendre en compte la largeur et la hauteur de l'anthrax de la bobine.